En manchette aujourd'hui, Interfor vend ses usines forestières de Val-d'Or et Matagami et le marché résidentiel se porte bien dans la région. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous pour ce TVA Nouvelles. On commence le bulletin avec une nouvelle dans le domaine forestier. Interfor vend ses usines forestières de Val-d'Or et de Matagami à Chantier Chibougamau. Dans un communiqué, l'entreprise a confirmé mettre fin à ses activités au Québec. La transaction est évaluée à 30 millions de dollars. Et les scieries de Val-d'Or et de Matagami ont une capacité de production combinée de 250 millions de pieds planches par année. Interfor évalue aussi que ces usines ne fonctionnent qu'à un taux de 50 %. Et quant à Chantier Chibougamau, ils estiment que la transaction permettra de sécuriser une plus grande part de matière dans toutes ces activités de transformation. Et dans un tout autre dossier, le marché immobilier se porte bien dans la région. Et Alexis, avec le taux d'intérêt moins élevé, là, l'engouement d'acquérir une maison serait bien présent. Oui, on parle d'une augmentation d'environ 13 à 15 sur l'ensemble du Québec, mais une augmentation qui est beaucoup plus marquée ici dans la région. Je vous donne les chiffres. Du côté de Val-d'Or, on parle de 28 % au niveau de l'augmentation et à Rouyn-Noranda, 50 % d'ailleurs, une des villes au Québec où l'augmentation est la plus marquée. Il y a des critères qui font en sorte que les gens sont plus incités à s'acheter une maison, dont le taux directeur qui est à la baisse, donc qui favorise l'achat d'une nouvelle propriété pour des acheteurs de la région. On peut même constater qu'il y a plusieurs achats qui ont augmenté au niveau des maisons de 400-500 000 $ et plus. Et rappelons également que maintenant, les paiements peuvent être instaurés sur une durée de 30 ans. Donc, ça incite les gens à vouloir acheter des propriétés beaucoup plus élevées. Il semblerait cependant que ce n'est pas un critère pour l'instant. Les gens aiment bien quand même payer de manière assez rapide là, afin de pouvoir se débarrasser là, du paiement. Je laisse écouter le directeur de la Chambre immobilière de l'Abitibi-Témiscamingue vous en dire davantage. Il y a eu une accumulation des propriétés sur le marché, plusieurs nouvelles inscriptions. Donc, les ventes, les maisons sur le marché, l'offre était peut-être supérieure un petit peu ici. Puis, la reprise économique a quand même été, je dirais pas plus importante, mais a quand même été bonne en Abitibi-Témiscamingue. Donc, la confiance des consommateurs avec une bonne reprise économique ont fait que plusieurs maisons sur le marché, ça a fait qu'il y a eu plusieurs transactions dans la région. Puis, même s'il y a eu plusieurs transactions, comme partout au Québec, le prix médian a augmenté encore ce trimestre-ci. Alors, le marché immobilier risque de bien se tenir encore dans les prochains mois. C'est basé sur des statistiques, mais une corrélation qui semble assez positive pour les prochains mois. Je vous reviens avec plus de détails ce soir. Oui, on va continuer de suivre le tout. Merci, Alexis. Au revoir. Et en politique maintenant, le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, est de passage dans la région aujourd'hui et demain. Cet après-midi, il prend part à l'inauguration du nouveau pavillon, le Phénix du savoir, de l'École de l'envol de la Sarre. Et demain, il visitera les installations du Centre de formation professionnelle de Val-d'Or. Et c'est au tour de la Chambre de commerce de Val-d'Or d'accueillir le ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, Jean Boulay. Monsieur Boulay s'adresse ce midi à la communauté d'affaires valdorienne concernant les réformes du travail et de la vitalité économique de la région. L'objectif est que les employeurs et entrepreneurs régionaux posent leurs questions au ministre et puissent ainsi mieux comprendre l'impact des changements législatifs sur leurs organisations. Et d'ailleurs, le ministre Boulay s'est arrêté hier en avant-midi à Ville-Marie, au Témiscamingue, pour une annonce concernant la vitalité du territoire. Alexandre Cabana nous partage les détails. Dans les cartons depuis 6 ans, c'est maintenant chose faite. L'enveloppe du Fonds Région et Ruralité se concrétise pour le Témiscamingue. Une enveloppe qui provient du Fonds Région Ruralité, c'est autour de 1,2 million de dollars du ministère des Affaires municipales et de la MRC de Témiscamingue pour s'assurer de faire rayonner notre talent, nos ressources et notre potentiel. Ça nous permet d'agir sur la qualité de vie des milieux, ça nous permet d'assurer du développement économique, ça nous permet de promouvoir le territoire et d'accompagner les municipalités qui sont en voie de revitalisation. De plus, ça permet de faire des partenariats entre municipalités et même entre MRC pour améliorer nos fonctionnements.
Selon le gouvernement, l'entente contribuera à la promotion du Témiscamingue et à le rendre plus attrayant. D'abord, les fonds, on ne les cherche plus dans l'ensemble de nos enveloppes. On les a, ils sont là, ils sont dédiés. Deux, les autres fonds qu'on sollicitait pour nous permettre de faire la promotion du territoire deviennent disponibles pour d'autres types d'investissements. Alors, pour nous, ça donne de l'oxygène dans la façon dont on travaille la promotion du territoire. Par rapport à la vitalité qu'on veut donner au Témiscamingue, là, on a des outils qui sont concrets. Il y aura une campagne de promotion de ces atouts-là, de ces attraits, puis il faut faire du Témiscamingue une région qui est connue, puis qu'on tombe en amour, comme vous, Alexandre, vous êtes un amoureux de la région. Questionné sur la crise forestière qui secoue présentement la région, le ministre du Travail et responsable de l'Abitibi-Témiscamingue garde espoir. Mais on a rencontré les acteurs, j'ai des collègues qui sont extrêmement actifs, on travaille de manière interministériel. Donc, c'est des ministres, c'est des députés, notamment Daniel, qui est ici à ma droite. Et on essaie de se donner une vision de l'avenir parce que c'est un secteur qui est tellement fondamental. C'est des emplois, c'est des ressources, c'est de l'expertise que nous voulons garder ici. Bon, donc encore une fois, on mise sur l'importance du territoire, sur la force des ressources. Mais reste que toutes les questions demeurent entières, à savoir comment le gouvernement va faire pour sortir le Témiscamingue de la crise forestière qu'il connaît présentement. À suivre. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Ville-Marie. On poursuit avec la Caisse des jardins du Témiscamingue qui nous a confirmé qu'elle procède à la fermeture de ses centres de services automatisés de Laver-le-Cher et de Saint-Bruno-de-Guigues. Dans les deux municipalités, les guichets automatiques vont être retirés. La direction nous mentionne avoir pris cette décision en fonction de l'évolution des habitudes transactionnelles des membres. Les membres utilisateurs ont d'ailleurs été contactés pour leur offrir l'accompagnement nécessaire. On se déplace à Val-d'Or. Le poste de conseiller municipal du district électoral Paquinville-Fatima sera ouvert aux candidatures dès vendredi jusqu'au 1er novembre prochain. Si plus d'un candidat pose sa candidature, une élection partielle aura lieu le 1er décembre prochain. Cette ouverture de siège fait suite à la démission de Maxime Gagné le 2 septembre dernier pour des raisons familiales et professionnelles. En éducation, des maisons de jeunes de la région se sont unies pour développer une trousse d'outils pour aider les jeunes dans la réalisation de leurs travaux scolaires. Le tout comprend des astuces, des stratégies d'études et divers articles pour faciliter les devoirs. Un guide destiné aux animateurs et intervenants a aussi été créé pour réaliser des activités qui favorisent la réussite éducative des jeunes. Un total de 2000 trousses ont été créées, dont la moitié sera distribuée dans les MDJ et les locaux de jeunes de la région. C'est un projet qui a pu être réalisé grâce à une aide financière d'Action Réussite en Abitibi-Témiscamingue dans le cadre du plan de rattrapage du ministre de l'Éducation. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, est-ce que la baisse des taux d'intérêt vous encourage à acheter une résidence? Pour voter et commenter, rendez-vous au tva.ca. Au culturel, l'autrice témiscamienne Isabelle Barrette sort aujourd'hui le deuxième tome de sa série « L'amour dans la grosse pomme ». Cette série suit l'histoire de quatre Montréalaises qui déménagent à New York pour vivre leurs rêves. Dans cette suite, vous découvrirez la vie de l'histoire de Cassandra aussi qui part en tournée avec le groupe de musique de l'heure. Soyez à l'écoute de la chronique culturelle de ce soir pour entendre Isabelle Barrette nous parler de ce projet et pour courir la chance de gagner les deux premiers tomes de la série. Et ensuite, le Festival de musique émergente fait escale à Bruxelles, en Belgique. Le FME est invité pour la première fois pour la 5e édition du Festival 50 Lab, prévu du 13 au 15 novembre prochain. Ce sera une occasion de présenter la richesse de la scène musicale québécoise et canadienne. Le 14 novembre, Goodbye Carrel sera en spectacle devant le grand public et les 400 professionnels présents, tandis que Allo Fantôme et Alix Ferns vont se produire le 15 novembre, offrant aux spectateurs un aperçu unique du talent québécois. Une nouvelle patinoire à bandes, un nouveau terrain de pickleball et un terrain de basketball flambant neuf s'amènent au parc Mouska de Rouyn-Noranda. C'est suite à une consultation réalisée à l'été 2023 auprès de sa population que la ville de Rouyn-Noranda a décidé d'élaborer le projet.
C'est à l'été 2025 que la Ville va entamer les constructions des futures infrastructures sportives, un projet réalisé au coût de 904 000 $. Le club de soccer Boréal de Rouyn-Noranda prend présentement part à la Coupe interrégionale qui regroupe les 4 équipes championnes de leur ligue au Québec pour la catégorie 2A. 3 équipes de la région sont parvenues à se rendre au prestigieux tournoi. L'équipe féminine U16 du Boréal a fait bonne figure et repart avec la médaille de bronze à la suite d'une victoire de 2-1 en tir de barrage en petite finale. Et pour ce qui est des hommes U16 et des femmes U14 du Boréal, eh bien, ils se sont tous les deux inclinés en demi-finale du championnat. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvabtb.ca. À la météo aujourd'hui, ça semble être une journée assez nuageuse sur tout le territoire. Tant en Abitibi qu'au Témiscamingue, il y a un 30 % de probabilité d'averse, maximum de 7 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, plus au nord, ce sera partiellement nuageux, mais ça devrait se dégager au cours de la nuit, minimum moins 3. Et plus au sud, c'est un scénario bien semblable avec quelques nuages, mais le ciel va se dégager après minuit, minimum moins 2. C'est donc complet pour ce midi. Merci d'avoir été avec nous. Si vous voulez revoir nos reportages ou bulletins de nouvelles, vous pouvez tout retrouver sur notre page YouTube et X TVA Abitibi-Témiscamingue. Nous, on se retrouve plus tard au TVA 18h. Bonne journée.